le talk show, le show qui vous met de la poudre aux yeux, qui vous écarte les oreilles et qui vous déride les joues. Cette semaine, c'est bien spécial parce qu'on a pas mal d'invités que je pense que vous avez pas mal toutes. On va commencer premièrement avec Audrey Loisel qui va venir nous faire une chronique. Eh bien, moi, je vais écouter la Bible. Faites-le pour
Si vous ne voulez pas le faire, n'oubliez pas que vous êtes toujours observé par les entités autour de vous. Avec nous? Oui. Merci. Merci. Il y en a une couple qui savent c'est qui les invités qui s'en vient. Laurent Marcelou Hey Sam, as-tu du feu? Non mais j'ai du pain et pinard! As-tu du feu? Non mais j'ai du pain et pinard! As-tu du feu? Non mais j'ai du pain et pinard! As-tu du feu? Non mais j'ai du pain et pinard! Ok, c'est bon. Je m'appelle Jean, Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné sous la pleine lune. On me sait au bout du monde où je suis né. Thank you.
keeps coming. That's his Steven. Yeah. And I hear the trains rolling down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. And I hear the whistle blowing, that's what's told to me. Dimanche passé à Sherbrooke, c'était contre plusieurs équipes. J'imagine on voit votre vidéo en arrière. Ah, ça se peut. Vous avez rapporté quelques médailles. On les applaudit. Il représente toute l'école, vous pouvez oublier. Ouais. Et dans le fond, vous êtes parti quand? Est-ce que vous êtes parti très très tôt le matin? On est parti dimanche matin à 5h40. Le soir, sont revenus à 5h40. OK. Ils sont revenus à 7h. Puis, vas-y. Vous êtes combien dans l'équipe? On est environ une centaine. OK. Aïe. Est-ce qu'il y a des gars? Ouais, il y en a 4. Il y a 4 gars? Et puis, dans le fond, quelle médaille vous avez gagné à la compétition? On a gagné 2 médailles d'or et 1 d'argent. Oh wow, je pense qu'on peut les féliciter. Puis, dans le fond, combien de fois par semaine vous pratiquez pour vous préparer aux compétitions? 2 fois par semaine, ça fait 3 heures par semaine. OK. Ah ben, merci beaucoup. Dans le fond, c'est quand votre la prochaine compétition? Le 12 mars. Le 12 mars. on va leur envoyer des ondes positives. On sait qu'ils sont très bonnes, donc... Et maintenant... Présenter le maire. D'accord. Alors, comme vous les attendez depuis tantôt, Nicolas Seguin, Laurent Barsalou, Maxime Kédoré, Dylan Renaud et Éric Leblanc. Oh, il en manque un bout. Peut-être que je vais vous dire un petit mot. Hey, réponds sûr. Il pratique depuis un mois pour se préparer ces deux chansons-là. Yeah.
servir de ma cervelle. Et qui lui a visé, et qui faisait en visite.